Salut YouTube, voici sur un nouvel épisode du playthrough de Guilty Gear Strive. On va faire un petit peu d'arcade aujourd'hui, encore des replays. Donc la survie, ça sera peut-être une autre fois. Là, je suis pas très très fan de survie. Parce que plus on avance, moins on a de vie. Plus on avance, plus c'est difficile. Et donc tu finis par mourir indubitablement et t'as pas trop le choix. Il faut être vraiment vraiment très bon et faire beaucoup de perfect, je pense, pour avancer dans le mode survie. Sauf que j'ai pas le niveau. Dès que ça commence à être à peu près niveau 50 sur 100, bah je me fais éclater. Hein. Je me fais éclater. Donc c'est parti. Hop, je vous mets sur l'écran. Ah, évidemment, il fallait qu'il y ait un problème. Attendez, j'ai malheureusement un problème. Bon, bah, il n'y aura pas l'overlay. Sinon, faut que je relance le jeu. Ah, j'ai voulu sauter. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas compris ce qu'il a fait. J'ai enfin réussi. J'aimerais bien réussir à, quand je veux. Oh, il a bien joué, hein. Parce que là, j'allais l'enchaîner. Mais non. Non, 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 non. Oh, il m'a tellement enchaîné. Arrête avec tes défenses parfaites là! Ah, il va m'énerver celui-là. Je vais sortir la babouche. Ça va plus rigoler, hein. Genre, je viens de faire. Ah, j'ai pas réussi ce que je voulais faire. Allez, fais-le! Mais c'est insane! Mais. Ah, d'accord, c'est dans l'autre sens.
Mais what? Non mais arrête de sortir des attaques spéciales de je sais pas où là. Mais quoi? Il a quoi lui? Il me vénère là. Mais non. C'est insane. J'ai passé tout mon temps à essayer de faire une technique. Je me suis gouré de quart de cercle et du coup il m'a eu quoi. Je sais pas ce qu'il a lui a pris, il a fait que des attaques spéciales. Que des attaques spéciales. Je sais pas si j'avais le mauvais timing ou un truc dans le genre, mais. Ah bah. Bon, je vais repasser en difficile, je suppose. Ouais, c'était sûr. De toute façon, si je reste en extrême, je finirai pas l'arcade. C'est trop dur en extrême pour moi. Actuellement, je peux pas la faire full extrême. Aïe, aïe, aïe. Bon, il a fait que me regarder à jouer, hein. Je sais pas ce qu'il a fait, ce bot difficile. Mais... Ah, vas-y. Les attaques, elles sont trop longues par rapport aux siennes. Hein. Ça part sur de la défense parfaite. Hein. Mais fous-toi de moi, toi. Mais allez, c'est abusé. C'est full abusé, quoi. Il bouge pas, il se met en mode défense. Et voilà, c'est abusé. Je peux pas briser une garde parfaite. Ouais, bah il est super. Un combat rudement mené, hein, et il se défend et je peux rien faire. Là il s'est pas défendu. Là, j'en descends en normal celle-là. Non. Je sais pas ce qu'ils ont les bots difficiles. Des fois ils te latent les fesses comme jamais. Et l'instant d'après ils te regardent jouer et il fait rien, il se prend tous les coups. Là, elle aurait largement pu me tuer. Hein. Bon, elle m'a regardé, mais je l'ai bien enchaîné quand même. Hein.
Et voilà, mon coup est pas sorti. Ah, je pouvais rien faire. Mais pourquoi? Ok. Je me suis trompé. Deux quarts de cercle, c'est notamment pour ça que je m'entraîne. Ça aurait pu me tuer, hein. En combat, se tromper comme ça, c'est la mort assurée. Hein. Je suis en défense là. Ça a pas l'air, mais c'est assez chaud quand même. Hein. Axel, c'est pas un perso avec qui il faut rigoler. Hein. Oh, mais. Oh mais déjà l'ulti, mais tu te moques de moi. On s'est mis trois coups. Mais what? L'enchaînement. Quand je vous dis les bots difficiles des fois ils font des trucs, c'est insane. Genre même moi en jouant Giovanna j'aurais pas pensé à faire un combo comme ça, comme il l'a fait là. Mais pourtant c'est super intelligent. Hein, mais... Ouais mais vas-y mais. Tout à l'heure ça l'a touché, là ça la touche pas. Je peux rien faire. Les coups sont trop lents par rapport au sien en fait. Si elle le prend, elle l'a pris. C'est pas vrai quoi. C'était ma seule chance et je l'ai prise quand même. Je perdais le combat hein, là si je le réussissais pas.
mais elle met des coups trop rapidement. J'ai loupé. J'ai loupé. Allez, plus qu'un combat, enfin plus deux combats, mais un combat et combat de boss. Oh non, pas à tout, pas à tout, non, non, s'il vous plaît, au secours. Ah mais vas-y, mais il m'a fait l'enchaînement total. J'ai fou l'enchaîner ça, ça daronne là. Oh, je voulais le feinter en lui faisant croire que j'allais je vais le faire éclater. Ok. Vraiment, les combats ils peuvent revenir à n'importe quel moment quoi, hein. Parce que je lui ai retiré la moitié de sa vie en deux coups. C'est stylé le décor derrière là, c'est quoi ça? On est où là d'ailleurs? Arrête de me pécho là, oh. Je suis pas ta meuf hein. On m'a beaucoup pris là. Oh non, j'ai sauté dans son cul. Il va le tuer. Il va le tuer, ça y est. Thank you.
Oh là là. Eh bien voilà, c'est une victoire, une belle victoire. Je me suis bien déchaîné. Hein. Parce que même si le combat était de niveau difficile, je vais vous dire, si vous prenez 3 coups de katana, vous êtes mort. Donc, faites vraiment attention. Hein. Sur le dernier combat de l'arcade, vous prenez 3 coups, vous prenez moitié de vie, voire peut-être même plus. Hein. Donc, faites vraiment attention à ça. À côté de ça, on peut bien tabasser. Il n'a pas trop de répondants. Ça va, en mode difficile, il n'a pas trop de répondants. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Tabassez-le. Mais gentiment. Aujourd'hui, on va peut-être regarder que du RAM Lethal. Je suis pas sûr, mais j'aimerais bien voir du RAM Lethal. J'en ai pas vu beaucoup. Donc, on va voir. Est-ce que il y a du RAM Lethal? Lancer la recherche. Oui. Ball Sad Guy. Lol. N'importe quoi. Le nom du gars. C'est un OTP, lui. Hein. Alors. Oh, en violet. Sympa. Déjà un petit burst. Alors, en même temps, il sait que s'il arrive au cac, ah bah voilà, là, ça va faire mal. Hein. Ram Lethal, il a pas trop l'avantage hein, dans ce combat. Il peut passer le sol en fait, il peut passer outre les attaques. Ah, je pense que ça va être le même genre de round, ça va être. Le sol, il sait qu'il a l'avantage. Hein. Vous avez vu, elle est beaucoup en mode défense, hein, Ram Lethal. Hein. Elle a pas beaucoup d'opportunités. Hein. Il y a eu quand même le psych burst du côté du sol, donc maintenant s'il refait trop. Ah, défense parfaite. Okay. Il a failli se faire éclater. Elle peut. Ah non, c'est lui qui a les défenses spéciales. Elle défend vachement bien. Hein. C'est pas aussi simple hein, de caler un adversaire comme lui proche de l'écran. Enfin, sur le bord de l'écran plutôt. Et Ram Lethal, quand elle a collé un mec contre le bord, après, c'est là où elle est la plus puissante. Il a pas de défense. Il a fait un double jump. D'accord. Franchement joli. Très beau le combat. Je m'attendais à ce que la Ram Lethal, elle se fasse laminer. Et en fait, oh là. Il l'a pas fini sur ça. Ça, c'est de l'étage céleste, ça. Waouh. Putain, mais là, ils ont une défense impénétrable, les gars. Ah, elle avait pas trop le choix. Hein. Parce que vraiment, Sol par rapport à Ram Lethal, il a tellement de coups puissants et rapides que c'est chaud. Hein.
c'est chaud de se battre. On va voir avec ce combat atypique en Jimito. Donc là, faut qu'elle évite aussi le corps à corps. À moins qu'elle y aille elle-même. Je pense sincèrement qu'il faut qu'elle évite le corps à corps parce qu'elle a aucun avantage à aller au clac. Putain, il l'a piégé là. Hein. Il lui a fait croire qu'il prenait le dessus alors qu'elle l'a bloqué contre l'écran. Hein. Contre le bord de l'écran. Hein. Oh là là, et là c'est fini, l'enchaînement infini est là. Hein. Oh. Mais what? Là c'est même plus maîtrise le perso, c'est le personnage. On a Rammlethal Valentine qui joue Rammlethal Valentine. Hein. Ultimate, il passe. Par contre, ouais, il faut toujours pas qu'elle soit au cac. Hein. Là, elle a échangé les plats. Ouais. Elle lui a fait pareil que tout à l'heure. Hein. Elle, vous avez vu, hein? Elle l'a mis contre le bord de l'écran et maintenant elle est en train de le bolosser comme c'est pas permis. Faudrait qu'elle fasse un double quart de cercle Y là et il est mort. Oh là 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 là. Vous avez vu, elle a échangé la position et du coup elle a pris l'avantage sur le bord de l'écran. Et le mec il peut rien faire parce que il a aucun moment de répit. Hein. Quand t'es Rammlethal et que le gars il est au bord de l'écran, il a aucun moment de répit. Hein. Le mec il a bien compris que s'il le calait, s'il le forçait à y aller, c'était fini. C'est chaud quand même. On va pas regarder que les mêmes matchs, on va essayer de varier un peu les adversaires pour voir un peu. Duel 1. Là, Rammlethal, il faut qu'elle. Wow, il va trop vite. Normalement, c'est un perso un peu lent quand même, Nagoriyuki, donc elle peut prendre l'avantage sur certains coups. Aïe, aïe. Ah, ils sont bons tous les deux. Hein. Il lui restait pas beaucoup de vie, hein, à Nagoriyuki. Hein. Ça s'est joué sur une erreur. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est fini. Mais il est très fort hein, le personnage Nagoriyuki. Là on va voir un combat contre Kai. J'ai l'impression que Rammlethal elle a quand même peu de d'outils hein, pour elle. Parce que ses coups ils sont lents. T'as beaucoup d'avantages à garder la distance. Sauf que la plupart des persos très forts dans le jeu. C'est, ou en tout cas ceux qui sont peut-être le mieux maîtrisés dans le jeu, c'est ceux qui vont au corps à corps. Du coup, si t'arrives pas à garder la distance et tu peux pas tout le temps garder la distance en fait, bah tu te fais latter le cul quoi. Surtout qu'il y en a qui ont des techniques qui passent à travers tes techniques pour aller justement
jusqu'au corps à corps. Je pense à Ino avec son slide, sa glissade par terre qui revient vers l'adversaire et qui lui attaque. Ouais, ils ont surjoué les attaques basses. Insane. Dommage, elle a pas fait le combo jusqu'au bout. Waouh, le nombre de coups qu'elle vient. Ok, nice. Là, elle l'a fait jusqu'au bout. Là, elle l'a fait encore jusqu'au bout. Oh, elle harcèle. La petite burst. Fort, hein. Il n'a pas laissé le choix. Oh là 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 là. Ça y est, même technique que le combat d'avant. Il a interchangé. Il s'est laissé mettre sur le bord de l'écran. Il a interchangé les positions et là il est en train de le déboîter. Là, le combat est reset, mais bon, il s'est fait la télpion. Bon. Allez, un petit dernier pour la route. Tiens, bah Ino, parfait. Hop, un combat vraiment atypique. Oh là là. Mais Ino, qu'est-ce que tu nous as fait là? Oh. Elle jouait pas ou quoi? Bon, eh bien, nous allons nous arrêter ici avec la transition qui a marché qu'à moitié. J'espère que ça vous a plu cette petite session et j'espère sincèrement que ça peut vous aider aussi à vous améliorer, que ce soit Ramlethal Valentine ou un autre perso en fait, parce que c'est une méthode que je vous montre, je vous montre ma méthode pour apprendre. Il faut regarder beaucoup de replays de personnages qu'on veut apprendre à jouer pour voir les combos qu'on peut faire, les enchaînements qui sont possibles, voir les... Comment dire? Parce que tu as des enchaînements où, en fait, tu vas cancel l'animation d'une autre attaque et ça, c'est ultra puissant. Et il y a des trucs, tu les découvres tout seul, par hasard, mais la plupart des trucs, tu les découvres parce qu'il y a d'autres gens qui te les montrent. Et c'est une très bonne manière de regarder des joueurs plus forts que nous, de jouer le même perso, parce que ça permet vraiment d'apprendre, d'apprendre vite. À l'époque des fast learners, bon, je dis ça, mais moi j'en suis pas forcément un, hein, mais il y a des gens qui veulent apprendre très vite, et pour apprendre vite, il faut regarder des gens qui le font bien mieux que nous et bien plus rapidement que nous. Donc c'est une des meilleures manières de faire, voir les techniques des autres pour les appliquer nous-mêmes. Là par exemple, j'ai vu sur beaucoup de personnes là, de l'étage céleste qui utilisent Ramlethal, bah, comme je vous ai dit, en fait elle fait genre de se faire tabasser et tout pour aller jusqu'au bord de l'écran, pour amener l'ennemi jusqu'au bord de l'écran, ensuite elle intervertit et après c'est Bagdad pour l'adversaire, c'est terminé.
Donc en fait, c'est une technique qui en même temps est assez frustrante, que ce soit pour l'adversaire ou pour même le joueur, hein, parce que bon, tu gagnes, mais c'est un peu de l'anti-jeu, entre guillemets, j'ai envie de dire, parce que tu arrives à un moment où tu fais quart de cercle B, quart de cercle Y, coup, récupération d'épée, quart de cercle B, quart de cercle Y, et t'enchaînes comme ça et tu fais tout le temps la même chose et la personne en face elle peut pas se défendre éternellement, elle va forcément à un moment donné faire une erreur et là elle va se prendre Bagdad et de toute façon le combo comme il est infini, le gars ne peut ni sauter ni se baisser, il peut que se mettre en garde et il va perdre de la vie de toute façon parce que à moins qu'il fasse une défense parfaite il va prendre des coups. Et à force, bah, comme c'est un combo parfait, il finit par se faire éclater. Hein. Mais c'est pas un des meilleurs combos. En vrai, Ram Lethal, ça me déçoit de voir des joueurs de l'étage céleste faire ce genre de technique. Mais c'est totalement légitime, ça fait partie du jeu. C'est le côté broken de Ram Lethal. Les joueurs, ils vont sûrement apprendre un de ces jours à contrer ce genre de comportement vis-à-vis de Ram Lethal. Voire peut-être même les développeurs, ça se trouve, si c'est trop fumé, peut-être qu'ils vont devoir le nerf ou des trucs comme ça. Mais au moins, ça nous montre vraiment des stratégies que les gens qui sont plus forts que nous mettent en œuvre. Et aussi l'enchaînement, comment ils font cet enchaînement pour que ça devienne broken, complètement cassé, casser le jeu, quoi. Et voilà, donc c'est super intéressant à regarder. J'espère que pour vous aussi, c'est plaisant. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.